Je vis un tremblement de terre. Et je vis que ces arbres étaient encore forts. Mais Dieu m'a montré sous la terre. Je vis que les racines commençaient à quitter leur emplacement ferme. Je pouvais entendre crac, 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 sous la terre. Même si tu es assis, lève seulement les deux mains. Ferme les yeux maintenant. Dieu va libérer une gloire d'achèvement. C'est-à-dire, pendant que nous prions, tu as déjà bougé les fondations. Mais maintenant, c'est la dernière dose. Ferme les yeux. Je vois même plusieurs aller sous les eaux. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Tu peux fermer les yeux. Je vois plusieurs même aller comme sous les eaux. Comme aller sous les eaux. Prenant même ce qu'on a enfoui sous les pierres. Je vais compter jusqu'à trois. Bien aimé, je vois plusieurs à la porte de toucher quelque chose. Tu dois toucher cette chose. Tu ne peux pas sortir comme ça. Je vais compter jusqu'à trois. Tu cries trois fois la gloire de l'achèvement. Un. Libanda Nakati, 1, 2 et 3. Oui, lève les deux mains, ferme les yeux, c'est parti. Ouais. Ouais. Yo. Tu vas sentir comme si on te donnait quelque chose entre les mains. Prends-le. Prends-le. Prends-le, ça pèse, mais prends-le. J'ai dit encore, ça pèse, mais prends-le. Plusieurs ne vont pas supporter cela. Recevez maintenant. C'est le temps de la restitution. C'est le temps de la restitution. C'est le temps de la restitution. 1, 2 et 3, recevez. Père, nous te bénissons. Tata to pambolio. Nous te rendons la gloire. To zoni selion kembo. Bénis cet homme. Pambola ntangolié. Atteins tes buts. Koma na bantina na yo. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Et le peuple crie Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai l'impression que tu as acclamé ton voisin ou le pasteur. Acclame Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons reprendre nos places. Ce soir, les fardeaux que Dieu a placés dans nos cœurs, c'est de parler à l'Église. Et de dire, vous connaissez les thèmes, c'est malgré la loi. Quand Dieu m'a donné ce message, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai compris que son cœur était en pleurs. Que son cœur était en pleurs. Papa Gauthier va nous lire Esther 4, verset 16, rapidement. 11 à 16. Esther 4, 11 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Tous les serviteurs des rois et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé.
Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Amen. 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 Est-ce que je peux entendre un très bon amen? Est-ce que je peux entendre un amen plus fort que ton voisin? Malgré la loi. Atako mobeko. Qui dit cette phrase? Nane lobi molongo na maloboyo. C'est Esther. Eza Esther. Qui était Esther? Nani azalaki Esther. Une reine. Mwasi mokonzi. Choisie parmi plusieurs après une compétition. Amponamaki katina bayike sima na mwa kondongwana. Elle a été coachée par quelqu'un dans Esther 2 qu'on appelle Hegai. Qui lui a dit, ne mets que ce qui est essentiel le jour où tu vas défiler devant le roi. Plusieurs jeunes filles s'étaient conformées au monde. Mais elle, elle a fait les choses comme une mise à part. Elle s'est appuyée sur la grâce. Et voilà qu'Esther a été choisie. Et Esther est reine. Esther, c'est l'image de l'église de Christ. Je l'ai toujours dit, Esther a fait un mois. Esther 4, 11, elle a fait un mois, le roi ne l'appelait plus. Femme du roi, reine, au palais royal, mais plus en contact avec le roi. Qu'est-ce des chrétiens à l'église, mais n'étant pas en contact avec le roi? J'ai toujours dit qu'aller à la présidence ne signifie pas rencontrer le président. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Nous nous rendons compte devant Dieu. Dédé, je t'avais envoyé de foule. Et chaque jour, tu leur disais quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Je sais qu'il n'y aura pas de amen parce que toi tu aimes. J'ai dit, Jésus revient bientôt. Préparons-nous. On ne finira jamais une semaine de prière sans qu'on parle de ces choses. Esther, Esther, tu es reine. Osamwasi mokonji. Tu es au palais royal. Osanandako mokonji. Ce sont les autres qui souffrent. C'est pas toi. Esther, c'est la race de ceux qui savent renoncer à eux-mêmes. Esther, parce que je peux laisser que vous souffriez. L'édite va vous frapper. Même si ça peut me frapper, mais ça viendra en dernier lieu sur moi. Esther, c'est aussi un type de l'épouse du Christ, mais c'est aussi un type de Christ. Esther, elle s'appelle le lengue na moisi na Christo, car c'est le lengue pe na Christo. Philippiens 2, il dit, il a renoncé à la gloire céleste et il est venu pour nous sauver. Philippe mokaponami balé lobi a tikin kembo pe aye po na kobiki sabiso. Suis-moi bien. Landanga malamu. J'ai toujours dit, na lobaganta monyoso. Dans la vie, na bomoi. Vivre la vie pour soi-même est une autre forme d'échec. Kobika bomoi po na yomoko esa le lengue mosusu akokakema. Vivre la vie que pour ses propres intérêts, c'est échouer sur la terre. Que
Que Dieu voit par ta vie plusieurs vies. Et les intérêts de Dieu seront sur ta vie. Et Esther était reine. Esther a dit moi mon conduit. Au palais royal. Nandako ya mokonzi. Mais ceux qui sont dehors sont menacés. Et Esther prie. Esther a pour que tout le monde soit sauvé. Pour te banso babi qui. Il pouvait rester au palais royal calme. Dans la vie, ne sois pas insensible à la douleur des autres. Ne vis jamais égoïste. Vis pour les intérêts de Dieu. Quand tu seras élevé, n'oublie pas. Bosanate, vis. Bika pour plusieurs. Jeûne pour plusieurs. Kila pour nabaike. Bosse pour plusieurs. Salamo sala pour nabaike. Malgré la loi. Atako mobeko. Lorsqu'on parle de malgré la loi, tango bako lobela atako mobeko, il est vrai que c'est la loi qui a été votée. Et ça solo était ça mobeko o impona. Qu'est-ce que je dis? Cette loi qui existait et qui régissait le palais royal. Qui existait et qui faisait et qui régissait le palais royal. Mais aujourd'hui, je vais parler de la loi différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux lois différentes ici sur terre. Premièrement, je parle de la loi du monde. Le monde, Jésus a dit, est haï. Le monde est ceux qui sont en Christ. Jésus dit, le monde ne m'aime pas. Parce que je ne suis pas de lui. Parce que je suis venu du Père. Il dit même aux disciples, si le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Le monde, c'est le système de pensée, le système de valeurs adopté ici bas. Et de fois ça se bat avec la loi de Dieu. Dieu dit dans sa parole, ne soyez pas amis du monde. Il dit l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Et c'est l'amour du monde qui nous amène à la convoitise, aux envies, aux ambitions démesurées. On veut régler sa vie sur base de l'autre. Je parlais avec un banquier dernièrement, un économiste, un financier. Il me dit, la définition de l'emprunt ou de la dette, c'est prendre son bonheur futur, l'amener maintenant, et sa paix actuelle, c'est prendre sa paix qui est future, l'amener maintenant, mais sa quiétude d'aujourd'hui, le postposer en un trouble demain. Et ça, c'est que kimia ya lobby ko ya nango lelo, kasi ko soit kimia na yo ya lelo ko timbi kango na lobby na mobulu e ko salama. Je ne suis pas contre l'emprunt. Na telemili ko defate. Mon emprunt 550 000, on remet 350 000. Si ton revenu te le permet, fais-le. Il y a quelqu'un ici. Tu viens de contracter une dette à la banque. On ne t'a pas encore libéré la totalité. Et tu sens que tu dois arrêter. Ainsi parle l'Éternel. Je te vois avec un coup à la gorge. Il te sera dur de sortir de cette dette. Ne le fais pas. La loi du monde,
Tu la respectes ou tu les respectes, le monde t'acclame. Et Christ a dit, je ne suis pas du monde, voilà pourquoi il m'est haï. Il dit, parce que je rends témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Le monde acclame et aime ceux qui sont dans le compromis. Suivez-moi bien. Nous étions en Égypte. Nous étions esclaves du péché. Et Christ nous a affranchis. Nous sommes sortis de l'Égypte. Je l'ai toujours dit. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il aille me servir au désert. Pourquoi nous sommes délivrés? Pourquoi nous sommes délivrés? Pourquoi Dieu nous délivre? Voilà. Laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir au désert. Donc nous sommes délivrés pour servir. Parce que Dieu savait qu'en Égypte, on ne peut pas le servir. Et l'Égypte, c'est le monde. Tu dois sortir du monde. On ne sert pas Dieu en Égypte. Laisse aller mon peuple. Est-il écrit dans Exode? Pour qu'il aille me rendre un culte au désert. En Égypte, on est esclave du monde. Esclave de Pharaon. Esclave du sexe. Esclave de la cigarette. Esclave de la pornographie. Esclave des injures. Esclave, esclave, esclave du mal. En Égypte, tu n'as pas de volonté. Il y a un fouet. Tu ne veux pas faire. C'est le fouet sur ton dos. Tu es dans la servitude. Tu fais des choses que tu ne veux pas. C'est ça l'Égypte. Et tu ne peux pas servir Dieu en Égypte. Parce que tu es encore entre le même pharaon. Comment veux-tu servir Dieu alors que tu es encore dans le péché? Il faut que les fils t'affranchissent par l'agneau immolé et que tu traverses la mer rouge et que tu entres dans le désert. On ne sert pas Dieu en Égypte. En Égypte, tu es esclave de Pharaon. Il faut que Christ t'affranchisse pour que l'esclave de Pharaon devienne l'esclave de Christ. Voilà pourquoi Romains 5, 6, 7 dit que nous étions esclaves du péché, mais Christ nous a affranchis, a fait de nous son esclave. J'ai dit à quelqu'un, si tu t'es converti, tu es esclave de Christ. Si tu ne veux pas me donner ton amen, c'est ton problème. Moi, je suis esclave de Christ. J'ai dit à quelqu'un, tu étais esclave du monde, maintenant tu es esclave de Christ. Si en Égypte, Pharaon te faisait faire sa volonté, en dehors de l'Égypte, tu dois faire la volonté de Dieu. Faire ce qui lui fait plaisir. Pourquoi sommes-nous délivrés? C'est pour servir Dieu. Il a dit, laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent me rendre un culte au désert. Je répète encore, on ne fait pas de culte en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a un seul Dieu, c'est le Dieu des Égyptiens. Tu dois sortir des histoires de la famille. Tu dois sortir des pratiques qu'on vous fait faire dans le deuil. Surtout toi, au deuil, tu danses les chants coutumiers et tu penses que c'est sanctifié le jour du deuil. Christ dit, la loi du monde. Et Christ dit, Christ vous le lirez à la maison, Jean 7, 7,
Johannes Sambo, Molongona Sambo. Jean 15. 18 à 19. Jean 17, 14. Il dit le monde n'est même pas. Parce que je ne suis pas de lui. Moi je suis venu d'en haut. Quand ils sortent de l'Égypte, dans Deutéronome, Dieu leur donne la loi. Il leur dit, vous êtes mon peuple. Parce que j'ai fait alliance avec vous par Abraham, votre père. Et vous êtes venu en esclavagisme. Maintenant, je vous libère. Plusieurs fois dans Deutéronome et dans d'autres textes nombres, Dieu dit à Israël, si vous vous détournez de moi et que vous allez vers d'autres dieux, je fermerai le ciel sur vous. Et je vous livrerai encore à des peuples qui vont vous asservir. L'asservissement est différent de l'esclavagisme. En Égypte, ils étaient des esclaves. Ils sont sortis. Ils ont eu des juges. Des livres de juges. Parce que tu dois connaître ces choses. Tu dois pas seulement commenter. Amen. Tu dois connaître ces choses. Les livres de juges. Après, ils ont demandé à Dieu, donne-nous un roi comme il y en a chez les autres nations. 1 Samuel chapitre 8. Soit dit en passant, ne demande jamais à Dieu quelque chose parce que les autres en ont. C'est la convoitise Israël. Donc ils disent, donne-nous un roi comme il y en a chez les autres nations. Qu'on m'achète un nouveau pan comme on a acheté à mon voisin, à ma voisine. Je dois m'habiller comme tel s'est habillé. Et la Bible dit le cœur de Dieu était attristé. Ce n'est pas ma prédication ce soir. Dieu leur a donné un roi. David. David a eu un fils, Salomon. Salomon a eu Roboam. Mais Roboam a fait quelque chose. Je passe rapidement. Il y a eu le schisme en Israël. Donc le royaume s'est divisé en deux. Roboam, Jéroboam. Roboam a salimabe et il bota et kaboni na biteni mi balé. Roboam na Jéroboam. Et plus tard, Pessima, royaume du nord, royaume du sud. Et kolo ya nord na kolo ya sud. Israël a été divisé. Israël et kabola maki. Le nord, na nord, avec 10 tribus. Na ba bituluka zomi. Le sud. Avec 2 tribus. Parce qu'Israël avait 12 tribus. Et c'est surtout le nord. Israël. Israël. Avec comme capitale Samarie. Azalaki lokola ngumba Samaria. Où il y a eu l'idolâtrie. Wapi binza minzambe bikeko isalamaki. Aujourd'hui encore, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Je l'ai défini simplement. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant les statues, non. Tout ce que tu commences à aimer, qui semble commencer à prendre la place de Dieu, fait de l'idolâtrie. Nyonso obandi kolinga. Et ces choses attristent le cœur de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes. Parce que le prophète dans l'ancien temps amenait souvent des messages pour dire revenez à Dieu. Ils n'ont pas écouté. J'ai dit plusieurs prophètes. Et Dieu, comme il leur avait dit, que si vous péchez, si vous invoquez d'autres dieux, vous êtes ma nation, je suis en alliance avec vous, mais je vous rejetterai.
Dieu les a abandonnés. Il a envoyé des rois païens qui sont venus les prendre et ils les ont amenés à Babylone. On appelle cela la déportation. Suivez-moi bien. Être esclave, c'est différent d'être un déporté. L'esclave est en Égypte. Il n'a pas le droit d'avoir un culte. S'il sert, il ne sert que en fonction de ce que Pharaon lui dit de faire. Il est obligé. Je répète, en Égypte, il n'y a pas de culte. Mais à Babylone, quand tu es un déporté, Babel, la tour de Babel, c'est le mélange. Et ça vous sang ici. À Babylone, na Babylone, on te permettra d'avoir et ton Dieu et un autre Dieu. Et c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Des gens qui ont été en Égypte, qui ont mangé l'agneau, qui ont cru au message de la croix, qui ont vu la mer rouge se fendre, qui ont traversé l'image du baptême, et ils ont témoigné publiquement que nous sommes à Yahvé. Ils ont traversé la mer rouge, ils sont entrés dans le désert pour servir Dieu. Mais le voilà là dans le désert, ils disent: nous nous souvenons des concombres et des gingembres que nous mangeons en Égypte. C'est ce que Israël disait. Ils ont dit à Moïse dans le désert: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour nous enterrer? Beaucoup de chrétiens sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Je répète encore. Beaucoup de chrétiens sont sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Comment toi tu es sorti de l'Égypte? Tu es délivré pour servir Yahvé. Et tu regrettes le tombe de l'Égypte. As-tu un esprit de mort? Il dit: nous nous souvenons des concombres et des gingembres que nous mangions. Qu'il y a des chrétiens qui regrettent leur vie passée, où ils avaient beaucoup d'argent, mais avec le sida. Et tu l'entendras à l'église dire à un frère qui lui demande la main: Batoko la bino. Est-ce que vraiment tu as bino tant na zalaka? Est-ce que yop no kwa usengal lo boko en français? Okoyoke na ecclesia nda onde komoka iko sengal lo boko akoloba. Les gens comme vous de cette race, de cette catégorie, quand j'avais l'argent, est-ce que tu avais le courage, tu aurais eu le courage de t'approcher de moi? Mais cet argent, tu l'avais comment en Égypte? Tu exposais ton corps. Tu sortais avec le mari d'autrui. Que des chrétiens qui regrettent leur habillement de l'Égypte, leur fréquentation de l'Égypte. J'ai dit à quelqu'un: tu n'es plus en Égypte. Christ t'a affranchi pour la liberté. Vis ta vie en Christ. Quand tu me donnes un amen, la puissance de la sainteté entre en toi. Dis à ton voisin: je sais qu'avec ce genre de prédication, il n'y a pas moyen de dire amen. Papa, on ne peut pas vous amener ici 10 jours, tu as obonga, okomata, okobika, lokoleko bonga, okolata Weston. Or, parmi vous ici, il y a des candidats à l'appel au salut. Nous rendrons compte. L'église n'est pas là d'abord pour la bénédiction. Même si tu ne donnes pas amen, tu dois aimer la sainteté d'abord.
Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Physiquement, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont en Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Le plus grand drame d'un esclave, c'est d'être libre sans être libre. Tu dois être libre à la masturbation, libre à la pornographie, libre aux séries télévisées. Ce que tu as dit, c'est que tu as bien dit. Esclave. Si nous ne vous prêchons pas ces choses, nous sommes maudits. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois esclave? Il dit l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas voulu venir pour coopérer en Égypte. Non, en Égypte, il y aura des mères. Il t'a sorti d'abord. Et quand tu es dehors, maintenant, il dit t'as coopéré. Si tu es là, tu n'es jamais sorti de l'Égypte. Ce soir, quand je ferai l'appel au salut, accepte Jésus. Tu as marché dans le désert. Tu as eu un roi. Le royaume s'est séparé. Dieu t'avait dit, si tu fais l'idolâtrie, je te rejetterai. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, fais attention. Dieu n'est pas un enfant de course. Des fois tu pries, tu es béni financièrement, après une retraite, et tu penses que Dieu est avec toi. Les signes de l'approbation de Dieu, ce ne sont pas que les finances. Étienne est mort. Étienne a koufaki. Le Seigneur était là. Debout. Dans sa gloire, on a pris des pierres. Mais Jésus n'est pas intervenu. Mais la femme a perdu des sangs. Qu'est-ce que j'ai dit? La femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Quand on lève les pierres, Jésus intervient. Bébé spirituel. Elle venait de se convertir. Elle devait se convertir. Ça, c'est le miracle de la conversion. Mais toi, Étienne, tu es diacre. Yes, yo, Étienne, osa diakono. Toi, tu as la maturité. Yes, yo, so komeli na bongo. Même si je n'interviens pas, tu ne vas pas m'abandonner. Atana kotini kamango tongo sundolanga ite. Jean-Baptiste, Yohani Mobatisi, je te laisserai dans cette épreuve. Parce que je sais que toi tu m'aimes. Tu as la révélation de qui je suis. Soki bébé spirituel azo sepela ko banga te. Ah bébé. Si un bébé spirituel se réjouit, n'aie pas peur. Il a encore un enfant. Pasteur, pourquoi j'ai des épreuves à Makasi? Parce que Dieu compte sur toi. Il te classe sur la liste des matures. En Égypte, tu es esclave. À Babylone, tu es un déporté. C'est-à-dire, tu n'es pas esclave. Tu n'es pas chez toi. Mais on te laisse le droit de faire certaines choses qui sont à toi. De ta culture, de ton Dieu, mais tiens compte de nos dieux. Babylone est plus dangereux que l'Égypte. Parce qu'à Babylone, on te laisse être chrétien. Mais on amène le compromis. Et c'est la chrétienté d'aujourd'hui. On vient à l'église. On parle en langue. On tombe. On crie. Mais quand nous sortons, quelle est notre qualité de vie? Des fois, je pleure, je dis à Dieu, Seigneur, est-ce que tu as besoin de te faire un bateau? Je vais faire un avion à ma soumou. Je vais faire un tableau à mes coussins. Je vais faire bien. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par. Pour prêcher ceux qui portent des mini-jupes et se sentent à l'aise ou quoi?
Biblia lobi bomi kokanisa tena bomo ya lelo na ekeke ya lelo. Pasteur Ozo exagéré. Pasteur, tu exagères toi aussi. Et ça nini som ta la dindengwa. C'est la modernité, pasteur. Dans la Bible, il n'y a pas le mot modernité. La Bible, il y a le mot modernité. Ça la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 1. Ta façon de t'habiller doit montrer que tu es chrétien. Il y a même d'autres, quand ils viennent ici, à la bien. Mais koutana na yena université. Bambangi. Sokazaliawa, elle est très bien habillée. Mais va la rencontrer à l'université. Pas moyen d'ouvrir les yeux. Si la robe que tu portes en dehors d'ici, tu ne peux pas la porter ici, c'est que ce n'est pas bon. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen parce que et tout a eu ah parce que ça ni ça ni discussion nos autres nous. L'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. Bolingo na mokili eza bonguna na bolingo na nzambe. Tu es déjà sorti du monde de l'Égypte. Oso bimela na mokili na sipito. Tu marches dans le désert. Oko tambola na sobe. Tu n'es plus esclave du péché. Osa susumo umbo lisumu. Tu es esclave de Christ. Oko mimo umbo na Christo. On t'a sorti de l'Égypte pour rendre un culte à Yahvé. Rendre culte signifie servir Dieu. Ton corps doit servir Dieu. Ton intelligence doit servir Dieu. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas? 1 Corinthiens 6. Et que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul chair avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de plus grand péché que le péché sexuel. On peut vous prêcher les démons comme vous voulez. Je refuse d'avoir une église où chaque jour les gens tombent et moi je crois que c'est le succès. Or ils tombent parce qu'il y a l'impudicité en eux. Il n'y a pas de plus grand péché que le péché sexuel. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Tu n'es plus en Égypte. Même si tu ne me donnes pas amen. Ce n'est pas le genre de prédication que tu es venu chercher. Mais la victoire vient dans la sainteté. Oui, même si tu ne donnes pas amen, je vais appuyer encore. Je peux entendre un amen plus fort que le voisin. Je peux entendre un amen plus fort que le voisin. Mouchoir. C'est de l'intérieur. Je suis à l'extérieur. Mais donnez un amen et nous allons continuer. Ça nous fait mal. Et que ça n'a pas besoin de passer. Avoir des églises. Que ça n'a pas besoin de créer. Des chrétiennes venant à l'église mais avec la haine dans leur cœur. Tu es encore en Égypte ou tu es sorti de l'Égypte? C'est en Égypte qu'on s'enivre. C'est en Égypte qu'on prend la cigarette. Je crie à l'esprit de quelqu'un en Égypte, tu es esclave. Tu n'as pas de volonté propre. Quand le sexe t'appelle, tu vas aller, même après le culte comme ça. Si tu es esclave du sexe, tu vas aller à l'hôtel. Que des chrétiens qui vivent dans une confusion d'hôtel. Hôtel, H-O-T-E-L. Hôtel, y a H-O-T-E-L. Là, on va pour coucher avec toi. Tu vas prostituer le corps qui est le temple de Jésus. Et vous voulez le miracle. Et vous voulez la délivrance. Jésus me dit de crier à ton esprit. Cesse de prostituer mon corps à moi.
Même si tu ne veux pas donner amen, je vais crier encore. Tu es dans les fiançailles, tu couches avec le frère. Oyebi ba training ne nyonso. Osukola kana bilamba. Mukoloboko boyana a odisu muso okola comme des training finalement. Toko peso comme training. Si tu n'es pas fâché, donne-moi un amen fort. En Égypte, tu es esclave de Pharaon. Tu es esclave du monde. Mais quand tu traverses la mer Rouge, bye bye à l'Égypte. Les habitudes de l'Égypte finies. C'est en Égypte qu'on s'embrasse quand on n'est pas marié. Dès que tu traverses la mer Rouge, je deviens esclave de Christ. Je fais ce qu'il m'oblige de faire. En Égypte, on est esclave. Ma Babylone. On est déporté. C'est-à-dire, on te donne le droit d'avoir et ton Dieu et les dieux de Babylone. D'être chrétien à l'église, et quand tu sors de l'église, tu parles un langage, même Moutava ino pemene au kamoyo. Mais ce que Bimili Banda, celui qui est à tes côtés, s'étonne que tu sois réellement un chrétien. Jésus m'a dit de vous dire, dis-leur que mon cœur pleure. Dis-leur que je reviens bientôt. Je sais qu'ils sont sur la terre. Et que je dois les bénir. Mais je bénis dans la sainteté. David a eu un enfant. Fruit de son impudicité avec la femme d'autrui, la femme du riz. Et quand cet enfant tombe malade, David va dire à Dieu, jeûne de 7 jours, sauve mon fils. Le 7e jour, quand il finit le jeûne, l'enfant meurt. Ton jeûne de 14 jours, de 21 jours, de 40 jours, de 100 jours, n'est pas un chantage à Dieu. Ne dors pas. David, cet enfant que tu me demandes de sauver, tu l'as eu comment? Tu es parti avec la femme d'autrui. Tu as fait tuer cette femme, le mari de cette femme au front. Et maintenant tu as un enfant qui est malade. Et tu me demandes de sauver cet enfant. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne te réponds pas, tu vas passer le temps pendant ces 14 jours. Pesa ta amen pour na voisin ailleurs. Gauthier, je ne sais pas à l'intérieur si les paniers sont remplis. Mais ici, les paniers sont vides. Assez vides, papa. À Babylone, tu es déporté. Na Babylone, osamou motoba memi. À Babylone, na Babylone, on te donne le droit de servir et ton Dieu est le Dieu de Babylone. Ba pesho ningisa osalela nanzambe na yo nanzambe ya Babylone. Mais en Égypte, kasi na Egypto, on ne te donne même pas le droit de servir ton Dieu. Ba ko pesho kutu ningisa te osalela tanzambe na yo mo. L'Égypte paraît gentille que Babylone. Egypto e komona lokola malamu koleka Babylone. Mais Babylone a une arme. Soka Babylone ezana molema moko. La séduction. Ko pengusama. La non, la séduction comme la flatterie. Li pengui lokola la séduction, comme Adam a été, comme Eve a été séduite par la flatterie. Les pingouins, et les colobas, oko l'impa moto. Je ne parle pas de la chute, je parle de la séduction. Ko l'impa. Y a solo wana. Yango wana. Jésus a demandé à Pierre 3 fois, même dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, Lelo, ce que le diable veut, oh, diable lingi, c'est que nous mélangions. Et ça, c'est tout sanguissa.
être chrétien, mais dans le compromis. Où sont les chrétiens radicalistes qui appellent péché, péché? Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Conformez. Ça signifie conforme. 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 C'est-à-dire prendre la forme qu'on te propose. C'est ça conformer. Donc le monde te propose une forme. Mais toi aussi tu te laisses emporter par cette forme-là. Forme de. Le monde propose. Oh, pasteur, c'est quoi toi, ma mamelo? Et pasteur, que veux-tu maintenant? Nous sommes franciscaines. Pardon? Franciscaines. Ah, pasteur, franciscaine. Yo, le magambo, on a l'obité. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Danger de Babylone, ça te laisse être à la fois chrétien et païen. Tolérance et ne pas condamner les œuvres infructueuses du ténèbres. Babylone aime la juxtaposition de systèmes ou de valeurs. C'est à Babylone qu'il y a ce qu'on appelle les lions. Ajoute la suite. Est-ce que moi je dis ça? Mais tu sais ce que j'ai dit, non? Lyons, ajoute la suite. Il ne faut pas qu'il y ait des procès. Est-ce que moi j'ai dit ça? Donc je ne peux pas dire Lyons. Il y a beaucoup de Lyons entre internet. C'est là à Babylone qu'il y a ces choses. Un enfant de Dieu, oh non, ça ne fait rien. Viens quand même à nos réunions, ça ne fait rien. Il y a aussi des chrétiens, on te montre 3-4 chrétiens. Et puis de toutes les façons, là à Lyon, nous faisons les œuvres caritatives. On t'emmène dans la sorcellerie, c'est une initiation sorcellerique. On a français na moni elengi to kindoki ki cho oko pumbwa me na français. C'est à Babylone qu'on dit tu n'es pas marié mais couchons ensemble. Et ça Babylone de bakoloba oza obalana te kasi to sangana nzoto. Je ne vais pas aller loin. Na lingite na kena musika. Il y a la loi du monde. Mais aussi la loi de Dieu. La loi de Dieu te pousse à craindre Dieu. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous allons chanter ce cantique de Mike Kalambai. Salabo moinanga lokola yayo. Tokoyemba loyembo yandeko Mike Kalambai. Si on peut prendre le micro, le vocaliste. Ferme les yeux. Reste là devant Dieu. À quelle loi veux-tu te soumettre? À la loi du monde qui véhicule les antivaleurs, qui te pousse même à discuter quand les prédicateurs prêchent, ou à la loi de Dieu? Réalise maintenant comment tu marches. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques ensemble? Papa Nazali, Papa Nazali, c'est moi là. Sokoti kenga ena kopwe. Papa Nazali c'est moi. Papa Nazali c'est moi. C'est cantique la prière de quelqu'un. Tu peux fermer les yeux. Ça là. Yahweh.
la cana yo la cana yo ya bosantu la tanga papa papa la sali c'est moi là soki ce que tu dis na ina ko ya bona sali ko senga sungue papa na sali c'est moi na ye papa na sali c'est moi là ce que tu dis na ina ko ya bona réalise comment tu marches. Chantons-le. Yahweh. Ne résiste pas ce soir. Dieu t'étend la main. N'aie pas honte de ton voisin. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Fais les choses qui honorent le Seigneur. Nous fermons les yeux tous. Si cette parole t'a touché, sois sincère, lève la main. Lève bien haut, n'aie pas honte de ton voisin. Bien-aimé, défie Satan. Dieu dit, si tu as honte de moi devant les gens, j'aurai honte de toi devant mon Père, Jésus. Comment marches-tu? Est-ce que ta qualité de vie honore Jésus? Je ne parle pas des grands péchés seulement, même des petites choses. Quelle est la chose que Dieu n'approuve pas en toi? Tu étais esclave de l'Égypte. Maintenant tu es devenu esclave de Christ. Mais pourquoi tu retournes à ce que tu avais vomi? Vous qui avez levé les mains, soyez courageux, mettez-vous debout. Ne tiens pas compte de ton voisin. Ton voisin n'est pas debout parce que c'est un orgueilleux peut-être. Peut-être que les dégâts que lui fait, mais il s'est dit seulement, je ne vais pas me mettre debout. Les gens vont me voir. Dieu me dit de dire à quelqu'un, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il me dit, je vais délivrer plusieurs de l'esclavagisme, de la télévision, des matchs de Champions League, des séries télévisées, de la mode. Pour un match, tu ne pries pas. Aujourd'hui, nous sommes mardi, je ne sais pas s'il y a match. Quand tu vas rentrer, au lieu de rester concentré, au soir pour sa match, et puis pour y avoir causé esclave, ce que tu as en retour aura bien été. Dès que tu vois ça, tu es esclave, tu es idolâtre. Ce que Monica a dit, c'est que tu es esclave, tu es idolâtre. Mets-toi debout si ta place est debout pour prier avec nous. Ce que si quand nous sommes debout, tu es telemilikolo to bondela nayo. Si tu es parmi ces gens qui sont debout, tu veux donner ton cœur à Jésus, toi viens devant.